aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche des notifications, me suivre sur mes réseaux sociaux et à t'abonner à mon Twitch. D'ailleurs, pense à y faire un tour de temps en temps. Je fais de plus en plus de streams sur cette plateforme et tu es le bienvenu. Bonne vidéo à toi. Salut à toutes et à tous, ici Kalion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui nous allons faire une vidéo invocation, la fameuse vidéo invocation que nous allons tout simplement commencer sur tous les portails possibles parce que j'ai fait exprès de ne rien toucher, de laisser tout ce stack comme vous pouvez, enfin là juste là en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai laissé tout ce stack. Pareil ici. Et ici, bah j'ai pas assez. Mais voilà, j'ai vraiment rien touché, j'ai fait exprès. Et j'ai une hype infinie parce que bah, Migaté, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein, on l'attendait tous. Donc, ouais, très grosse hype. Et oh, j'avais pas entendu la musique de Dragon Ball Super. Je sais pas s'il y aura des droits d'auteur, je crois que je vais devoir la remplacer. Enfin bon. Du coup, nous allons commencer par un grand merci encore à tous les joueurs pour cette multi qui propose quand même des personnages super intéressants, notamment le Gogeta DB Super, Transfo, qui j'espère un jour aura un Zenkai, puisque moi je l'ai 11 étoiles je crois. Et franchement j'espère que qu'un jour il aura son Zenkai, ça va être une tuerie. Vraiment, ça va être un énorme up pour la Team Fusion et la Team Film, ça va être un truc de fou. En tout cas j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va être très très bien, et j'ai une hype de malade mental, je vais pas vous mentir. J'ai trop hâte de commencer les invokes sur le Migaté. Et je crois qu'on va devoir le faire en deux vidéos parce que j'ai trop de trucs à invoquer. Vraiment trop. Bon, pour l'instant que des héros, c'est pas ouf. Pas ouf sur 20. Ah. Ouais, bof. Fake out! Oui! J'ai vu dès le départ. Commence pas trop bien, hein. C'est pas ouf sur 20. Franchement, c'est dommage. J'avais la chance d'avoir plein de sparking différents, mais j'ai eu ces 13 fusionnés. C'est de la daube. Et du coup, oui, comme vous pouvez le voir, 17K cristaux, quasiment. Voilà, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai farmé comme un gros porc. Je me suis fait plaisir un petit peu aussi, en achetant un pack. Donc de 2900 cryptos, je crois. Oh, j'ai cru que c'était Super Saiyajin. Égalité. Allez, Super Saiyan. Non, pas de Super Saiyan. Oh, il va y avoir Whis. Oh, l'arnaque. Bon, heureusement que moi, mon but, c'est d'avoir des médailles SP, hein, parce que sinon, je crois qu'on serait très vite déçus. Je sais pas si je vais tout dépenser, je sais pas si je vais mettre mes 17K cristaux, parce que faut pas oublier qu'après, il y a Noël, hein, dans un mois, il y a quasiment Noël, donc... Du coup, on va commencer le Step Up Legend, Sing of Ultra Instinct. C'est parti. Grosse hype. Si je peux avoir les 4 sur un Step Up ou 2, ça me va. J'aimerais bien avoir le Migaté pour la collecte. Vraiment. Ce serait plutôt sympathique. D'ailleurs, vu que je vais avoir la fibre à partir de la semaine prochaine, normalement à partir de lundi prochain, je vais me débrouiller pour stream du DB Legend. Et comme ça, vous aurez beaucoup plus de Dragon Ball Legend depuis le temps que je voulais le faire en plus. Quel plaisir. Oh, j'avais pas beaucoup d'étoiles sur lui, je crois. Bah voilà. J'ai au moins 5 FZ pour la Team Bardock. Mais ouais, comme ça on pourra avoir plus de Dragon Ball Legends et plus de Rocket League. Mais en stream cette fois on pourra en avoir. C'est vrai que je le faisais pas jusqu'à présent, mais enfin je pourrais le faire. Ça va être trop bien. Surtout Rocket League. Depuis le temps que je voulais en stream, mais je pouvais pas à cause de ma connexion, bah... Et du coup quand je ferai un let's play en live, sur Twitch, bah vous l'aurez quasiment en 1080p. C'est fini la qualité de caca. Et ça c'est trop bien. Depuis le temps aussi que je le voulais, ça. Bon, là, on est bien. À mon avis, il y aura un ou deux sparking. Peut-être bien pour la Team Godki.
Putain, y en a, ils ont humilié gâté à ce step-up là, enfin à ce stade-là. J'ai regardé un peu les screens sur Twitter en général et... Oh, on a la Cap Z rang 3, ça c'est bien par contre. Si je veux potentiellement me faire une petite team Godkey là. Ça peut être vraiment pas mal. 3 capsules. Bon, j'ai pas trop de chance là. Pour l'instant, c'est pas ouf sur 20. Disons que j'ai pas la chance que d'autres ont eu dès le début. XO! Ça, c'est pas mal. Ouais, bon. C'est pas vraiment le sparking que je veux, mais... On va dire que j'ai pas le choix. Donnez-moi un Migaté! Bon, par contre, mon Bardock à 10 étoiles... Non, 9. Non, 9, 9, 9. C'est pas mal. Oh, Piccolo, 14 étoiles. Eh bien, ça fait des points pour la guilde. Ça, c'est cool. Bon, on a le droit à un tirage Sparking garanti de Goku Ultra Instinct, c'est déjà cool. Bon, allez, on croise les doigts. J'espère que sur ce step-up, j'aurai plein de Sparking. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 5 capsules. Sur Namek normal. Je suis perplexe. Très perplexe. Non. 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 Je ne le sens pas. Je me fais complètement shaft. Oh, c'est même très violent ce shaft. Il est d'une violence inouïe, je crois que je n'ai jamais eu ça quoi. Oh, je suis tellement deg. Pour l'instant, on a vraiment pas de chance, quoi. On a des étoiles en plus, c'est cool, mais... Pff, Osef, quoi. Sur des persos que je joue pas... Ok, nouveau perso, chance x2. Alors ça, j'y crois à zéro, c'est de la connerie. J'ai jamais eu ça. J'avais soit des extrêmes à la con ou des sparkings moisis que je ne joue pas. Vraiment. Oh bah alors là... Alors là... J'aimerais bien voir ça, le nouveau perso x2, là. Oh là 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 là. Je ne me sens tellement pas... Whis, dis-moi que t'es là. Non. Oh. Ah, ça c'est pas mal, je l'avais pas, ouais. Mais je sens que le reste, ça va être que du héros. Oh là là. Je me fais tellement shaft en force. Mon dieu. Ça devrait être interdit au moins de 18 ans ce qui se passe là. Je screen, hein, c'est important. Nouvelle chance de perso x2. Hein, on l'a bien vu. On a eu un nouveau perso mais... c'est le seul extrême de l'invoque. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Franchement. Est-ce que c'est nécessaire d'en parler davantage? Bon, ce premier tour de step-up est immonde. Il est vraiment laid. Je crois que mon silence en dit long. Bon, j'espère que le deuxième tour de step-up sera plus intéressant quand même, parce que là, je vais vomir. Là, je vais vraiment vomir, je viens de perdre 4K cristaux pour rien. C'est très malheureux. Quelle horreur. Ah. Au moins, il y a 5 capsules.
J'ai potentiellement un sparking, je l'espère intéressant. C'est mal parti, mais on sait jamais. Les invocations sont à chier aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je suis sur le... voilà. Hein. Oh. Quelle horreur. Mais quelle horreur. C'est horrible. Des heures et des heures de farm durement gagnées. Mon dieu, quelle merde. Bon, on va refaire un tour de step-up, quand même. En espérant avoir plus de chance que ça, parce que le premier était catastrophique, vraiment. Je crois que j'ai jamais fait un aussi mauvais step-up. Enfin, un premier tour. Ah, Tao Pai Pai. Ah, vraiment, j'ai jamais fait un aussi mauvais premier tour de step-up. En 2 ans de jeu, quasiment. Mais vraiment jamais, hein. Là, c'est peut-être mieux parti, peut-être. Je l'avais pas, c'est bien, mais je m'en fous un peu, je vais vous mentir. Je l'avais pas, mais bon, je m'en fiche. Je me fais vraiment bully. Le jeu, il est en train de se foutre de moi. C'est le bout qui va... ouais, c'est ça. Bon, il y a un truc de bien que j'ai eu sur le premier tour de step-up, c'est que Whis, du coup, il a la cape Z rang 3. C'est la seule chose bien que j'ai eu. Il y a le nouveau Goku extrême. Enfin, nouveau. Mais non. Mais sinon... Ah, Kim Tone, donc perso détecteur. Qui me fait peur, d'ailleurs, parce que bon... Je voyais des mecs, ils avaient littéralement 3 nouveaux persos en une multi, je me dis, ah ouais, quand même, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Le mec, il lâchait des topos, des G-Run, des dispo en une seule invoque, j'ai fait, ah ouais. Oh, un sparking, s'il vous plaît. J'ai envie de me foutre en l'air. J'ai envie de me foutre en l'air. Ah. Pourquoi la vie est injuste? Kefla qui monte 7 étoiles, c'est cool, mais je m'en fous aussi. S'il vous plaît, faites un effort. Allez, soyez gentil, s'il vous plaît. On est presque à deux step-up entiers et j'ai rien eu de nouveau de... Ah, oh, oh, oh. Oh. Bon, allez, là, faut que ça pète, les sparkings. Faut qu'il y ait une pluie de sparking. Nice. Ah bah enfin, voilà, putain, il était temps. Donc et demain, j'ai Jiren. Ok, un deuxième, dispo. Ouais, je l'avais, bon, c'est déjà pas mal. Bon, mes invoques sont éclatables, on va pas se mentir, j'ai Jiren, c'est cool, mais... Et ma team Ginyu qui ne cesse de prendre des étoiles, c'est n'importe quoi. Vraiment, je ne la jouerai pas. Ça sert à rien de m'envoyer des signaux comme ça. Je ne le ferai pas. Là, je suis vraiment en train de me faire shaft. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Donc encore un perso détecteur. Oh, ça c'est un nouveau perso. Je pense que c'est le Migaté. Allez, dis-moi qui a migaté. Je prends. Bidispo, je prends. Osef.
Mais OSEF, plus plus. OSEF au carré, au cube, tout ce que tu veux, enfin. Ne me dis pas qu'il n'y a que lui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, non mais... Non, j'arrive pas à être content, franchement, j'arrive pas à être content, j'ai l'impression de me faire shaft en force, en fait, là. Je veux dire, c'est bien beau de drop les nouveaux persos, mais si tu les as que 2 étoiles, ça sert à rien. Je préfère drop des persos où est-ce que j'ai 10, 15, enfin 15 étoiles, non, mais pas encore. Mais je sais pas, entre 7 et 14 étoiles. On sait pertinemment que les nouveaux persos, même s'ils sont forts, ils vont se faire péter la gueule par les persos qui sont soit Zenkai, soit qui ont des hautes étoiles et qui sont récents. Genre, par exemple, mon couleur à moi, mon métal couleur qui est 6 ou 7 étoiles, je mets mon ulti sur le Jiren 4 étoiles, voire 5 étoiles, je le one-shot. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ouais, non, de nouveaux persos à 2 étoiles, ça m'intéresse tellement pas. Je trouve ça inutile. Pour de vrai. En fait, je pense pas que je vais faire un troisième cycle. Je pense que ça sert à rien, je vais perdre des cristaux, je vais avoir la haine. Donc ces cristaux-là, je vais les garder pour plus tard. Je ferai peut-être un autre tour de step-up dans une vidéo prochaine. Mais là, je... Attendez. C'est quoi, ces 2 tickets? Ah, attendez, non, on va faire celui-là. Comme ça, je pourrais faire 3 invokes sur Sparking Guarantee. Mais ouais, non, je pense pas continuer. Ou alors plus tard. Plus tard, je referai peut-être une vidéo le temps que le step-up soit là pour en refaire. Mais là, je pense que c'est pas le moment. Je sais pas pourquoi, je vois bien que même si j'ai eu Dispo et Jiren, je le sens pas, vraiment, je le sens pas. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Faut pas être trop gourmand parce que si je tente et que je liquide absolument tous mes cristaux, je vais avoir la haine. Allez, prends ça! Perso détecteur, vu qu'on a vu le Kinto Uno au début. Ouais, bon, c'est bien. Ça, au moins, on a 3 étoiles, c'est mieux que rien. On a la cap Z rang 1. Bon, après, j'irai une 3 étoiles, je sais pas ce que je vais en faire, mais... C'est déjà bien. Donc là, il me manque quoi? Il me manque Goku et... Topo. Ouais, il me manque Topo et Goku. Ouais, c'est pas du tout rentable, pour l'instant. Je vais pas faire la mauvaise langue, mais... Je me suis fait quand même shaft bien comme il faut, quoi. Donc ces cristaux-là, je vais les garder. Je vais soit refaire quelques vidéos invocation plus tard sur ce step-up-là. Sachant qu'en plus, il est là jusqu'au 12 janvier, donc ça va. Ou sinon, je garde tout pour Noël. Je vais voir. Je verrai ce qu'il y a de proposé à Noël. Si c'est un Gogeta SSJ 4, je claque absolument le PIB du Congo dedans. Vraiment. C'est une évidence. Ouais, non, je me fais quand même pas mal shaft. J'ai 8 étoiles, mais je joue pas GT. Je joue pas GT, même si je sais que ce Vegeta, il est encore très très fort. Hein. Genre, il vieillit pas. Honnêtement, il fait très mal. Couplé au Goku SSJ4 qu'on a eu au deuxième anniversaire, il fait très très mal. Je pense pas que ce soit une bonne session pour invoquer sur ce step-up. Je sens pas la chance avec moi, là. Je pense que j'aurais des regrets si je refais un tour de step-up avec mes cristaux. Donc il vaut mieux se montrer raisonnable. Très raisonnable, mais enfin ouais, non, non. Là, pour une fois, vraiment pour une fois, je veux absolument... Enfin, comment dire, je sais ce que je veux comme Sparking, et si j'en ai d'autres, d'habitude, j'aime bien, c'est pas grave, c'est cool. Mais là, non, j'en ai rien à foutre des autres, je veux vraiment les 4 nouveaux, quoi. C'est les 4 nouveaux ou rien, et vu que là, bah, j'ai plus rien que les 4 nouveaux... Je me dis que c'est mieux de se calmer. 5 capsules, Namek en feu, Super Saiyan, je suppose. Ouais. Y'a peut-être moyen. Allez.
Allez, mange ça. Donc lui il monte 10 étoiles. Bon, bah voilà, bah c'était pas fameux hein, on peut pas se mentir. Comme session invocation, c'était même un peu nul à chier. Du coup on va faire les comptes. J'ai perdu 8K cristaux, donc 2 tours de step up. Et non, c'était pas là. C'était pas là. C'est ici, les persos. Qu'est-ce que j'ai eu de nouveau? 4 nouveaux persos. Donc Dispo, Jiren, Gohan de l'arc. Comment dire? De l'arc Bou. Gohan Transfo, du coup. Et le Goku SSJ2 de l'au-delà de la saga Bou. En omettant. Le fait que j'ai eu la cap Z rang 3 sur Weiss, c'est que du coup c'est plutôt pas mal. J'ai eu une étoile et demie sur Kefla pour 8K cristaux. C'est absolument pas rentable, vraiment pas. Donc c'est pour ça que je pense que je vais pas invoquer davantage pour l'instant, parce que je vais foutre en l'air tous les cristaux que j'ai eu et je n'ai pas envie. Je me suis vraiment donné du mal à les faire, enfin à les avoir plutôt, donc je pense que le mieux c'est de raison garder et de ne pas se lancer dans ce dans ce genre de délire, parce que je vais pertinemment le regretter, je le sais. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo invocation vous aura plu, même s'il n'y a pas eu énormément de gros persos ni quoi que ce soit. Je vous avoue que moi-même je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave, je me rattraperai. La chance sera de mon côté la prochaine fois que j'invoquerai, et la prochaine fois eh bien j'invoquerai sur tout ça. Surtout ça, là, ça va prendre du temps. À mon avis, il va falloir une vidéo entière pour ça. Parce que là, j'ai pas encore fini et je pense qu'il y aura d'autres tickets en attendant que l'event se termine complètement, entre guillemets. Et j'ai tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais on va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez, gros bisous.